pour Pavillon France aujourd'hui, je vous propose une recette de séviche de sèche à l'anica. Rien à voir avec le calamar. Donc la sèche a un gros cartilage central, alors que le calamar a une petite plume, comme l'encornet, comme le supion, comme le chipiron. Un peu complexe au niveau du nettoyage, je vous conseille de vous demander ça directement à votre poissonnier. Ensuite, j'aurai besoin de cacahuètes fumées salées, de céleri branche, un peu de ciboulette, de la coriandre fraîche, des oignons, un peu de citron vert, du vin blanc pour faire mon assaisonnement de séviche, du sel, de gros poivre noir, un peu d'ail et du gingembre frais. Je vais préparer dans un premier temps ma réduction de vin blanc avec un petit peu d'oignon. Je le mets dans mon vin blanc que j'ai mis à réduire il y a déjà une quinzaine de minutes. La sèche, bien la nettoyer, enlever toutes les parties de peau qui restent. J'y ajoute un trait d'huile d'olive. Je vais la faire saisir un peu à feu très très chaud, une dizaine de secondes, juste pour avoir un effet caramélisé qu'on n'a pas systématiquement dans la recette originale. Le couper ensuite très très fin. Alors le but, c'est qu'il soit transparent, hein, puisque la marinade va cuire le produit. On va commencer l'assaisonnement avec un petit peu de ciboulette, bâtonnette 2 cm, un petit peu de cacahuète, du poivre noir qui remplace dans la recette initiale les piments, un petit peu de coriandre fraîche, zeste de citron, et en même temps, je vais rajouter un peu de jus de citron. Le rhizome de gingembre frais. Maintenant, on va ajouter notre huile d'olive. On va mettre une demi-ail en nous enlevant soigneusement le germe. Un peu de céleri branche, plutôt assez grand, pour avoir un peu de croquant. Si vous avez des sèches déjà propres, en 5 minutes, c'est fait, ça va très très vite. Et par contre, au niveau de la consommation, si vous pouvez attendre 6 à 8 heures en bas du frigo, le temps que ce soit bien frais. J'ajoute en dernier lieu ma réduction de vin blanc avec mes oignons froids. J'ai juste adressé sur un centre d'assiette creuse. Dernier lieu, un petit peu d'assaisonnement qui va venir dessus car le mélange n'est pas assaisonné. Je vais remettre un petit peu de mignonnette de poivre. La recette est terminée, du séviche de sèche à l'anica pour Pavillon France.